Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous des mardis de l'espace des sciences. Je suis très heureuse que vous soyez nombreux pour ce rendez-vous, malgré les vacances, malgré le froid, parce que je sais, je suis absolument certaine que vous allez passer une très très belle soirée en la compagnie de Stéphane Lemoëlic. Donc merci à vous d'être là, merci à toute notre équipe. Alors, je vais quand même vous présenter, même si vous êtes déjà venu plusieurs fois. Vous êtes originaire de Lorient, Stéphane. Vous avez fait une prépa à Rennes. Vous êtes diplômé de l'École supérieure d'optique à Orsay. Puis vous avez fait un doctorat d'astrophysique et de technique spatiale, toujours à Orsay, à Paris Sud. Toutes ces questions d'optique, d'astrophysique et des choses comme ça, c'était quelque chose de... Je ne sais pas, c'était une vocation en quelque sorte, c'était quoi ? Je pense que je suis tombé... Bonsoir d'abord. Je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Oui, ça arrive. Hein. Voilà, à l'adolescence à peu près, je me suis dit que ça pouvait être un métier intéressant. Ouais, et je crois que vous n'avez jamais regretté quand je vois la passion avec laquelle vous le réalisez. Vous êtes spécialiste du traitement des images appliquées à l'étude de la Terre et des planètes. Ingénieur de recherche au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes. C'est un laboratoire qui existe depuis combien de temps ? Alors, c'est un laboratoire qui existe depuis assez longtemps. C'est un laboratoire qui est attaché au CNRS. C'est un label qui est assez important depuis 2000. Donc c'est un laboratoire qui a beaucoup grossi entre 2000 et 2010 et voilà, qui est axé, un tiers des chercheurs travaillent sur l'étude des planètes, un tiers sur l'étude de la Terre et un tiers sur l'étude des océans et des paléoclimats. Alors en 2013, vous êtes venu déjà ici et vous nous aviez parlé de l'aventure des rovers martiens, je me rappelle. En 2015, vous êtes venu nous présenter les premières images de la surface d'une comète. C'était grâce à l'aventure Philae, hein, c'était ça. Et puis là, eh bien, vous avez choisi de venir nous parler de la mission Cassini-Huygens. C'est en septembre 2017 que la mission internationale a pris fin. On dit pile un mois avant ses 20 ans, ce qui n'est pas tout à fait vrai. L'histoire de la mission est beaucoup plus âgée, vous allez peut-être nous le redire. Elle est plus ancienne, hein. Je crois qu'elle a au moins 10 ans de plus à peu près. À peu près. À peu près. Hein. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi ces noms, Cassini, Huygens ? Alors, on peut le faire, mais ça va être mon premier transparent. Donc, on ne le fait pas. On le fait pas, on va le découvrir. On va le découvrir. Donc j'y reviendrai par la suite. Et on peut dire quand même que c'est une mission, qu'est-ce qu'on peut dire, américo-française. C'est une mission internationale. Donc, on pourrait dire un des meilleurs exemples de collaboration entre l'Agence spatiale américaine, la NASA, l'Agence spatiale européenne, et il y a aussi l'Agence spatiale italienne qui collabore. Donc, c'est un projet qui est vraiment international, on va dire. Et vous avez choisi de nous parler de cette, on peut dire, aventure extraordinaire. Je crois que ça a été une belle, belle réussite. C'est une des plus grosses missions spatiales, une des plus belles missions spatiales qui a eu lieu. Voilà. Bon, on ne va pas parler davantage. On va découvrir tout ce que vous avez à nous montrer parce que j'ai vu des images fantastiques. Et bien, mesdames et messieurs, tout à l'heure, avec les techniciens qui sont cachés là-bas derrière la régie, Max et Franck, nous avons eu la chance de marcher sur Mars, d'aller découvrir les cailloux sur Mars, de voir le Curiosity en vrai, on peut lui dire bonsoir, etc. Grâce à un casque virtuel, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir en profiter tous ce soir parce que ce ne serait pas possible, grâce à la réalité augmentée. Vous nous le ferez voir tout à l'heure, ce casque merveilleux. Bon, mais je pense qu'on va faire un beau voyage ce soir dans l'espace. Bonne soirée à tous et on se retrouve pour les questions tout à l'heure. Merci Stéphane d'être avec nous encore ce soir. Alors, merci pour cette introduction. Je vais donc maintenant pouvoir répondre à la question de tout à l'heure sur Cassini et Huygens. Donc effectivement, je vais vous parler ce soir de la mission Cassini-Huygens et je vais m'axer beaucoup sur l'exploration de Titan, qui est le plus gros satellite de Saturne. Alors, Cassini et Huygens, voilà donc
cette fois la réponse. Qui était-il? Donc ce sont deux astronomes très célèbres, deux astronomes qui sont connus pour avoir, pour Christian Huygens, un astronome hollandais, avoir découvert les anneaux de Saturne. Alors, découvert, c'est un mot peut-être un peu exagéré. C'est Galilée le premier qui a mentionné qu'il y avait des excroissances autour de Saturne. Mais Galilée lui-même n'avait pas très bien compris la nature de ces excroissances qu'il voyait dans sa lunette astronomique. C'est Huygens qui va comprendre cette nature, ces anneaux en fait, qui entourent la planète Saturne. Et Huygens a aussi découvert Titan, qui est le plus gros satellite de Saturne et dont je vais beaucoup parler ce soir. Autre astronome très important, Jean-Dominique Cassini, un astronome franco-italien, qui lui a découvert d'autres satellites de Saturne. Il a découvert Japet, Rhea, Tétis, Dione. Et il a aussi découvert la division des anneaux, qui porte son nom, division de Cassini. C'est l'espèce de petit trait noir que vous voyez ici. C'est un endroit où il y a beaucoup moins de matière dans les anneaux de Saturne. Donc la mission spatiale Cassini-Huygens, une des missions les plus ambitieuses qui a été menée durant ces dernières décennies, a été nommée en l'honneur de ces deux astronomes. Alors vous avez un diagramme ici qui vous montre quel va être notre terrain de jeu pour ce soir. Vous avez le Soleil ici. Ensuite, autour du Soleil, on va trouver, par ordre de distance, on va trouver Mercure, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars. Voilà. Ensuite, si on va un peu plus loin, on va trouver Jupiter avec ses quatre principaux satellites ici, sur cette orbite. Et puis, si on continue à aller plus loin, on va arriver dans le monde de Saturne. Donc Saturne, ici, avec son cortège d'anneaux et de satellites, Titan étant le satellite que vous voyez ici. Si on regarde les distances, c'est particulièrement intéressant. Ici, vous voyez que la distance entre le Soleil et la Terre, on appelle ça une unité astronomique. La distance Terre-Soleil, c'est une unité astronomique, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Vous voyez que Saturne est situé à 9,5 unités astronomiques. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Donc 10 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre. Donc ça veut dire que si on veut communiquer avec un vaisseau spatial qui se trouve autour de Saturne, il va falloir être patient, parce qu'à la vitesse de la lumière, il nous faut à peu près compter 1h15, 1h20, pour envoyer un signal et pour que le signal soit reçu par le robot qui est autour de Saturne. A l'inverse, quand la sonde Cassini nous envoie des images de Saturne, il faut à peu près 1h15 pour que nous les recevions sur Terre. Et les 8 minutes 20 que vous voyez ici, c'est le temps que la lumière met pour venir du Soleil jusqu'à la Terre. Donc, voilà à peu près nos échelles de distance. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais piloter un engin en direct, un engin qui serait sur Saturne, autour de Saturne, ou sur un satellite de Saturne. On ne pourra pas le piloter en direct depuis la Terre. Tout devra se faire de manière entièrement programmée dans l'ordinateur de bord. Autre effet de cette distance assez grande, la température. Vous voyez qu'à cette distance du Soleil, en fait, on est très loin de notre étoile centrale qui nous chauffe, donc la température chute brutalement, et il fait en moyenne entre, on va dire, moins 200, moins 180 degrés lorsqu'on se trouve au niveau de Saturne. Alors, je pensais à ça ce matin en prenant mon vélo pour aller au laboratoire, il faisait moins 7, voilà, il faut retrancher moins 170 degrés à ça, pourtant j'avais déjà froid, pour essayer d'imaginer ce que ça doit être de se retrouver à la température qu'on va trouver à la surface de Titan, le satellite dont je vais parler tout à l'heure. Donc c'est très loin du Soleil. Autre effet dû à la distance, la Terre met à peu près 365 jours pour faire le tour du Soleil, c'est une de nos années. Saturne va mettre pratiquement 30 ans pour faire le tour du Soleil. C'est évidemment plus loin. Donc il faut 30 ans pour faire le tour du Soleil. Donc une année sur Saturne et sur Titan dure à peu près 30 ans. Donc une saison va durer à peu près 7 ans. Et avec la mission Cassini-Huygens, on aura eu le temps de voir à peu près deux saisons de la vie de Saturne et de ses satellites. Donc là, les distances sont à peu près respectées dans mon transparent, pas les tailles. Si on juste essaye de se représenter la taille des planètes, la taille respective des planètes, là, vous avez le Soleil, et puis Mercure, Vénus, la Terre et la Lune. Voilà, nous sommes ici, sur ce petit grain de sable, on pourrait dire. Et à l'échelle, vous avez la planète Jupiter et la planète Saturne. Ensuite, Uranus et Neptune.
Jupiter, Uranus, ce sont de grosses boules de gaz, hydrogène et d'hélium, sur lesquelles on ne peut pas marcher. Donc voilà à peu près à l'échelle à quoi ressemble le monde gigantesque de Saturne par rapport à notre petite Terre qui est ici. Alors, ce diagramme est très intéressant, mais ça reste toujours difficile d'imaginer à quoi peut ressembler Saturne. Lorsqu'on s'en rapproche, vous avez une vue typique terrestre de la Lune. Lorsqu'on voit la Lune dans notre ciel, ça donne à peu près ça. Maintenant, on peut s'exercer à dire, si je remplaçais la Lune par Saturne, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait ça. Voilà. Si on avait Saturne à la place de notre Lune, dans le ciel, c'est à peu près ça qu'on verrait. Ce serait très romantique, ça serait sûrement très beau. Il ferait très clair la nuit. En même temps, ce serait probablement pas très bon pour la vie sur Terre, ou en tout cas pour ceux qui aiment bien aller à la pêche. Ça ferait des grandes marées assez exceptionnelles à cause de la présence de cette planète. Donc Saturne, c'est un monde gigantesque. Et ce qui va nous intéresser, c'est pas tant Saturne elle-même que la famille des satellites de Saturne. Vous avez un diagramme ici qui vous montre donc Saturne, cette planète gazeuse sur laquelle on ne peut pas marcher, entourée par des anneaux. Les anneaux, ce sont des particules de glace, de la glace d'eau principalement. Et vous avez ici, plus on s'éloigne, une famille de satellites qui sont pour beaucoup constitués eux aussi de glace d'eau, de l'eau comme on a sur Terre, dans nos frigos. Ce sont principalement des satellites composés de glace d'eau. On a ici quelques flèches qui nous montrent où sont passées les différentes sondes qui ont exploré Saturne. Il n'y en a pas eu beaucoup. Vous voyez les sondes Pioneer dans les années 70, Pioneer 11, Voyager 2, puis Cassini dont je vais parler, qui est plus récente. Elles sont à peu près toutes passées, lorsqu'elles sont arrivées dans le monde de Saturne, elles sont arrivées à peu près à cet endroit-là. Et si on continue par là, plus loin, on va arriver à d'autres satellites, dont celui qui va nous intéresser principalement ce soir, qui est Titan. Alors, pourquoi Titan nous intéresserait-il plus que les autres ? Je vais essayer de vous convaincre de pourquoi il est aussi intéressant pour nous. Nous, on va dire planétologues, on essaye beaucoup de faire de la planétologie comparée. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de regarder comment les planètes du système solaire, quelles sont leurs caractéristiques, en fait, pour essayer de mieux comprendre, en retour, comment fonctionne notre propre planète, comment fonctionne la Terre. Si vous prenez Vénus, ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près la même taille que la Terre. La différence, c'est que vous la rapprochez un peu du Soleil. Ce que l'on voit, c'est que Vénus est devenue inhabitable avec une température de surface de 450 degrés. À l'inverse, si on éloigne une planète du Soleil, on peut prendre l'exemple de Mars, on voit que Mars est devenue une planète qui est désertique, avec très peu d'atmosphère. Titan, ça va être un autre cas extrême, et on ne parle pas de planète, parce que Titan tourne autour de Saturne avant de tourner autour du Soleil. Mais, pour nous, ça fait partie de la famille des corps planétaires. Pourquoi ? Parce que Titan, c'est plus gros que Mercure. C'est un satellite de Saturne, mais il est plus gros que la planète Mercure. Il est un peu plus petit que la planète Mars, mais pas beaucoup. Il est beaucoup plus gros que Pluton, et à peu près, finalement, de la même taille que le plus gros satellite de Jupiter, Ganymède. Donc, c'est un satellite, c'est un corps de la taille d'une planète, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, si je reviens un peu dans l'histoire sur les grandes dates qui ont marqué, les découvertes de Titan, je vous ai dit tout à l'heure que Titan avait été découvert par Christian Huygens en 1655. Donc, ce que Christian Huygens a dû voir dans son télescope à l'époque, c'est Saturne avec ses anneaux, et pour Titan, il n'a pas dû voir beaucoup plus finalement que le petit point que vous voyez ici. Donc on a découvert qu'un point était lié à Saturne et tourné autour, voilà ce qu'on en savait à l'époque. Une des premières révolutions va venir en 1907, lorsqu'un astronome, qui s'appelle Sola, va démontrer qu'il y a une atmosphère autour de Titan. Ça, c'est assez extraordinaire, et c'est le seul cas dans le système solaire, c'est le seul satellite qui possède une atmosphère. Non seulement il y a une atmosphère, mais en 1944, Gérard Kuiper va montrer qu'il y a du méthane dans cette atmosphère. Le méthane, c'est un gaz qui, sur Terre, est présent aussi dans l'atmosphère, et sa présence sur Terre est en partie due à l'activité biologique. Donc c'est éminemment intéressant. Donc une atmosphère dans laquelle on va trouver différentes molécules, et c'est principalement la sonde Voyager 2, au début des années 80, qui va permettre d'apprendre, on va dire, les premières informations quantitatives sur Titan. Voilà à quoi ressemblait Titan
dans les images prises par les sondes Pioneer et la sonde Voyager 2, donc au début des années 80, une grosse boule orange dont on ne voyait pas la surface. Cette atmosphère qui entoure Titan est complètement opaque et empêche, pour des yeux, si on était sur les sondes à regarder nous-mêmes, empêche de voir la surface du satellite. Et ensuite, c'est Cassini-Huygens, je vais revenir bien sûr par la suite, qui va nous donner le maximum d'informations. Donc, à l'époque de Voyager 1, on a eu un survol de Titan, le 12 novembre 1980. Ça commence à dater maintenant, c'était il y a 38 ans. Et voilà les images que Voyager nous a renvoyées. Je vous disais, on ne voit pas la surface. La surface est entièrement masquée par un immense brouillard dû à des... c'est comme des, on va dire, des aérosols, comme des particules qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et on voit que l'atmosphère, elle va très très haut au-dessus du satellite. Pourquoi ? Parce que Titan est moins massive que la Terre. La gravité, c'est à peu près un sixième de la gravité de la Terre. C'est comme la gravité sur la Lune. Donc ça veut dire que l'atmosphère est moins attirée par la planète et donc peut s'étendre beaucoup plus que sur Terre. Donc l'atmosphère monte beaucoup plus haut, jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de haut. Et on va pouvoir mesurer avec Voyager la composition relativement précise de l'atmosphère. On va voir que c'est 95% d'azote. Ah, ça c'est intéressant, puisque sur Terre, on a à peu près, dans l'atmosphère, un peu plus de 70% d'azote. Donc notre atmosphère aussi, c'est majoritairement de l'azote. Le reste, c'est en grande majorité de l'oxygène qui vient de la photosynthèse, qui vient de la vie. Là, majoritairement, c'est de l'azote. Et on a une pression, 1,5 bar, qui est finalement assez voisine de la pression qu'on a sur Terre. On pourrait presque dire qu'on pourrait se promener sur Titan sans avoir besoin de scaphandre. Pour ceux qui ont vu le film « Seul sur Mars », vous savez que si on doit aller sur Mars, on a intérêt à avoir un bon scaphandre, et que si vous avez un trou dans le scaphandre, ben ça va commencer à fuir, il faudra mettre un scotch pour boucher le trou, mais ça ne va pas être facile. Sur Titan, on n'aurait presque pas besoin de scaphandre. Sauf que, on arrive à mesurer la température, avec Voyager déjà, et on voit qu'il fait moins 180 degrés à la surface. Je vous disais, ce matin, il faisait moins 7 à Nantes, je ne sais pas comment c'était à Rennes, moins 180 degrés. Pour vous donner une idée, pour ceux qui ont eu la chance d'aller chez le dermato pour enlever des verrues plantaires ou des verrues sur les mains, moins 180 degrés, c'est la température de l'azote liquide, c'est-à-dire la température ce qu'on utilise pour brûler vos verrues. C'est ça la température à la surface de Titan. Donc si vous deviez vous y promener, sans scaphandre, parce qu'il n'y en a pas besoin pour la pression, vous auriez quand même besoin d'un bon damar pour ne pas avoir froid. Mais ce qui est intéressant, c'est que Voyager va mesurer la présence de différentes molécules, et ça on va y revenir, c'est ce qui fait la grande particularité de Titan, et on ne sait pas très bien pourquoi on mesure autant de méthane dans l'atmosphère. On sait qu'à cette distance du Soleil, à cause du rayonnement ultraviolet, ces molécules de méthane, elles devraient être dissociées, elles devraient finalement disparaître au bout de 10 à 20 millions d'années. Or, on en mesure une quantité non négligeable dans l'atmosphère, donc ça veut dire qu'il y a un processus qui le renouvelle. Et à l'époque des missions Voyager, et à l'époque où on a commencé à étudier les concepts d'une mission dédiée à Saturne et à Titan, on imaginait que sur Titan, il y avait peut-être, à cette température, il y avait peut-être des hydrocarbures liquides, pourquoi pas un océan global d'hydrocarbures, du méthane liquide, qui couvrirait tout le satellite et qui expliquerait qu'on a un peu de vapeur de méthane qui soit en équilibre et qui soit toujours présente dans l'atmosphère. Donc les premiers concepts de la mission Cassini-Huygens ont été mis en place en 1982. C'est un astronome français qui s'appelle Daniel Gauthier, d'ailleurs, qui a été l'un des pionniers, l'un des initiateurs de ce projet ambitieux. 1982. Ensuite, il faut convaincre que votre projet est faisable, qu'il est scientifiquement intéressant. Il faut convaincre les agences spatiales que ça vaut le coup de les payer. Et une fois que la mission est acceptée, décidée, il faut construire la sonde, construire les instruments. Alors nous, au laboratoire à Nantes, notre ancien directeur de laboratoire, Christophe Sautin, avait envoyé sa demande de participation à la mission Cassini en 1989. Sa demande a été acceptée pour travailler sur une des caméras infrarouges, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans la boucle de cette mission, pratiquement du coup depuis le début, on va dire. Autre date importante, une fois que la sonde est construite, il faut la lancer, évidemment. Le lancement aura lieu en 1997, depuis Cap Canaveral, et ensuite, on n'y va pas en ligne droite. On ne va pratiquement jamais en ligne droite dans le système solaire. Pourquoi ? Parce que
ça coûterait trop d'énergie d'aller en ligne droite. Donc on fait un espèce de jeu de billard spatial pour aller survoler d'abord Vénus, deux fois, puis une fois la Terre, et à chaque survol, on gagne un peu d'énergie par un effet de fronde, et à la fin, hop, on part vers la destination finale. Destination finale, vous voyez, 7 ans de voyage, on arrive en 2004, 1er juillet 2004, l'arrivée se fait autour de Saturne. Ensuite, on va avoir deux dates importantes, je vais y revenir, le premier survol de Titan, qui aura lieu le 26 octobre 2004, et l'atterrissage d'un module fait par les Européens, qui s'appelle Huygens, le 14 janvier 2005. Et ensuite, de 2004 à 2017, alors au début, ça devait s'arrêter en 2008, mais en 2008, la sonde était en pleine forme, donc la mission est étendue de d'abord 2 ans jusqu'en 2010, puis de 7 ans jusqu'en 2017. Donc pendant 13 ans, la mission Cassini va tourner autour de Saturne et va survoler Titan 127 fois en tout. Alors vous voyez qu'on ratisse large en termes d'échelle de temps, ça veut dire qu'on démarre avec des appareillages qui sont relativement modestes. Je ne sais pas comment mes collègues faisaient pour échanger des informations avec des lettres papier ou par Minitel. Moi, ça, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire ça de nos jours, mais pourtant ça a commencé un peu comme ça. Et dans les années 80, on a amélioré un peu les systèmes, puis dans les années 90 et début des années 2000, c'était encore plus performant. Et puis vous voyez qu'on est rendu à des techniques qui sont maintenant encore plus évoluées. Mais il y a un challenge là-dedans. Ça veut dire que vous devez transmettre des documents sur comment ont été fabriqués les instruments sur différentes générations. Parce que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont se trouver au début de la mission et à la fin. Certains ont fait toute leur carrière, j'y reviendrai à la fin, l'ensemble de leur carrière sur la mission Cassini. Du début, finalement, de leurs travaux de chercheurs, pratiquement jusqu'à leur départ à la retraite. Donc, c'est un passage de relais entre différentes générations et la nécessité d'utiliser des technologies robustes, mais des années 90, pour faire nos recherches. Voilà à quoi ressemble l'orbite de Cassini. C'est aussi un vrai jeu de billard spatial. En fait, on va tourner autour de Saturne plusieurs fois. On va utiliser des survols de Titan pour changer d'orbite et passer, par exemple, d'une orbite où on était dans le plan équatorial à une orbite, hop, on va survoler l'épaule de Saturne pendant plusieurs tours, puis après on va revenir sur un plan équatorial. L'idée, c'est qu'on cherche le jeu d'orbite qui va nous permettre de faire un maximum de science pour un minimum d'énergie en un minimum de temps. Donc au total, ce sera 127 survols de Titan qui vont être effectués, 22 survols d'Encelade, un autre satellite important de Saturne, et donc on va pouvoir voir le petit monde de Saturne au mieux au fil de la mission. Voilà à l'échelle à quoi ressemble la mission Cassini. Donc Cassini, c'est cet orbiteur qui a été fabriqué par la NASA, donc sous responsabilité donc américaine. C'est le nom de l'orbiteur, cette partie-là. L'Agence spatiale européenne a contribué avec le module Huygens, que vous voyez ici, et qui est attaché à Cassini. Et Huygens qui sera largué pratiquement 2 mois après l'arrivée à Saturne. Donc on a une très forte collaboration entre les deux agences américaines et européennes. Et sur l'orbiteur de Cassini, on a différents instruments. Alors je vous ai donné, pour vous aider à avoir l'échelle, la prochaine fois que vous prendrez le bus, vous pourrez penser à cette conférence, la taille de Cassini, c'est à peu près la taille d'un bus, alors pas un bus double, un bus simple, c'est à peu près l'équivalent d'un bus qu'on envoyait dans l'espace. Et on a différents instruments sur Cassini et sur Huygens, et même les Français peuvent être membre des équipes scientifiques des instruments qui sont sur l'orbiteur américain. Donc on a vraiment un aspect international, on va dire, avec sur la caméra infrarouge, nous au labo on a travaillé sur la caméra VIMS dans cette équipe, l'instrument a été fabriqué par des Américains, mais on va trouver des Italiens, des Allemands, des Français, donc des gens d'un peu toutes les nationalités. Donc voilà la mission au labo. L'étape d'après, c'est de l'envoyer dans l'espace. Voilà comment ça s'est passé. Alors, j'ai pas eu la chance d'aller au lancement, mais on m'a raconté, ceux qui y étaient disaient que c'était vraiment émouvant. Pourquoi ? Parce que le lancement s'est fait de nuit et il y avait des nuages. Et Cassini, en fait, a éclairé les nuages de l'intérieur. Donc, ça donnait un paysage assez féerique, on va dire. Donc, c'était un moment assez émouvant pour ceux qui l'ont vécu. Donc, à partir de là, il reste à parcourir, alors
à vol d'oiseau 1,5 milliard de kilomètres, mais au final, c'est presque 8 milliards de kilomètres que la sonde Cassini aura fait durant l'ensemble de son périple. Donc le lancement, c'est en 1997. Ensuite, il faut attendre 7 ans pour que la sonde arrive à destination. Ça se fera en 2004. Alors moi, j'ai eu la chance d'être recruté au laboratoire au CNRS en 2003. Donc je suis arrivé quelques mois avant le moment intéressant et j'ai pu bénéficier du travail des gens en amont. Donc 2004, moment particulièrement intéressant avec un point très critique, c'est l'insertion en orbite autour de Saturne. C'est bien beau d'accélérer, mais si vous voulez rester tourné autour de Saturne, arriver à Saturne, il faut aussi freiner. Et pour ça, les ingénieurs avaient calculé qu'il allait falloir passer sur une trajectoire pour avoir des orbites intéressantes scientifiquement qui passaient juste au bord des anneaux de Saturne. Ça pouvait être risqué. Donc on avait un peu peur que des impacts viennent casser la sonde. Et vous allez voir dans le transparent suivant, vous allez entendre en fait le bruit des impacts sur l'antenne de Cassini, l'antenne ayant servi de bouclier, au moment où la sonde a traversé le plan des anneaux. Vous allez voir ça ici, sur ce petit diagramme. Ça, c'est les impacts sur la structure. Vous voyez qu'il y en a beaucoup au moment du passage dans le plan des anneaux. Puis après, il y en a beaucoup moins. La bonne nouvelle, c'est que aucun dommage n'est à déplorer. La sonde a parfaitement survécu à ce moment un peu risqué. Et elle a consommé pratiquement une tonne de carburant. Pourquoi ? Parce qu'il fallait prendre... Alors, j'y reviendrai à la fin de ma conférence, mais on vit quand même une époque formidable en ce moment. Si j'avais fait la conférence il y a 20 ans, j'aurais dû imprimer une photo de Cassini et amener avec mon imprimante la photo de Cassini. Maintenant, on a des imprimantes 3D, donc je peux venir avec mon modèle 3D de Cassini, ce qui est très pratique pour expliquer les différentes choses. Et donc, ce qui était très important, c'était de mettre Cassini, si elle avançait comme ça, mettre Cassini dans le sens où elle avance et d'allumer son réacteur, son moteur, pour pouvoir la freiner. Donc pendant plus d'une heure, la sonde... Ce qui est assez extraordinaire, il faut imaginer que pendant 7 ans, c'est comme une voiture, vous la mettez au garage, vous l'éteignez pendant 7 ans, et puis à la seconde près, au bout de 7 ans, quand vous allumez sur le moteur, il faut que ça démarre, quart de tour. Et là, pendant plus d'une heure, le moteur va démarrer au quart de tour et va freiner la sonde suffisamment pour qu'elle se laisse capturer par le champ de gravité de Saturne et qu'elle puisse ensuite tourner autour de Saturne. Moment évidemment critique qui s'est très bien passé. Alors ensuite, l'étape d'après, après l'insertion, c'est le premier survol de Titan. Donc ça, c'était un moment assez émouvant. Et au laboratoire, nous, on était responsables de la programmation d'une des caméras infrarouges, VIMS. Et donc, au mois d'août, on avait programmé les acquisitions de la caméra, c'est-à-dire on choisissait en gros quel endroit on allait regarder et puis quel temps de pose on allait mettre sur les images, comment on allait faire pour prendre les images. Et pour faire ça, on avait une carte. Ça, c'était la meilleure carte de Titan dont on disposait à l'époque. Vous imaginez, c'est comme si c'était une carte globale du monde. Vous auriez les États-Unis par là, l'Afrique par là, l'Australie par là. Voilà, en gros, on savait à peu près rien de la surface de Titan. Donc, on avait décidé de prendre des images par là, et puis des trucs par là, et puis on verrait bien. Ça, c'était au mois d'août, sachant que, je vous rappelle, à l'œil nu, Titan ressemble à ça. Et ensuite, il fallait attendre 3 mois. Et le 26 octobre 2004, on avait pour la première fois donc Cassini qui se rapprochait de Titan et qui allait prendre les images qu'on avait programmées 3 mois avant. Donc voilà les images telles qu'on les a reçues. Donc ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Voilà, on était avec mon collègue Sébastien Rodriguez, on était à 4h du matin dans la salle informatique du laboratoire à attendre ces fameuses images. Et voilà ce qu'on a reçu. Et là, on était tout excités. Eh bien, ce n'est pas extraordinaire, mais si, c'est extraordinaire. Pourquoi ? La sonde se rapproche, on a le temps de faire des mosaïques, regardez, tac, 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 et on voit des choses. Surtout, à l'époque, on n'était pas sûr qu'on pourrait voir vraiment la surface de Titan. Et on voit des choses très nettes. Alors, des choses qu'on ne comprend pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on voit juste des petits timbres-postes à la surface. Qu'est-ce que c'est que ces structures ? Il va falloir accumuler plus d'images pour comprendre à quoi correspondent ces structures géologiques. Si je reviens sur ces images infrarouges, là, je vous montre... l'équivalent de ce que l'on a reçu. En fait, on fait des images dans différentes longueurs d'onde,
voyez, pour simplifier, ces différentes couleurs. Et on observe dans l'infrarouge. Et on va se rendre compte qu'à certaines longueurs d'onde, on voit la surface, et à d'autres, l'atmosphère brouille tout le signal, à d'autres, on ne voit rien. Donc je vais passer sur cette image, je vais passer en revue toutes les longueurs d'onde, donc ça va être une observation typique, et vous allez voir qu'à certains moments, on voit à travers l'atmosphère, à d'autres, on ne voit rien. Là, on voit rien, là, on passe à travers, on ne voit rien, hop, on repasse à travers à la fin. Tac, à 5 microns. Voilà. Donc c'est ces observations un peu complexes, on va dire, que l'on va utiliser pour essayer de comprendre de quoi est faite la nature, de quelle est la nature de la surface de Titan. Toujours sur ce premier survol, observation incroyable faite par l'autre caméra, voilà ce que l'on obtient. Une première image faite à 400 000 km de distance, vous allez me dire c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Et cette image, assez fabuleuse, nous montre elle aussi, encore dans l'infrarouge, pour la première fois la surface de Titan. À l'époque, je vous ai dit, scientifiquement, on se disait, si ça se trouve, il y a un océan global sur Titan. Eh bien là, qu'est-ce qu'on voit ? Quand on reçoit ça, on se dit, ben non, il n'y a probablement pas d'océan global. Mais ce qui est noir, là, ben, c'est peut-être un océan. Et ça, ça pourrait être les continents. Ça fait un peu penser à des traits de côte. Donc là, on n'en sait pas beaucoup plus. Au pôle sud, on voit une structure ici noire, forme de haricot, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, on voit des nuages. Ça, c'est très intéressant. L'étape d'après, ça va être l'arrivée du Huygens. Huygens va se poser par là, à la limite entre des terrains clairs et des terrains sombres. Donc Huygens va être largué à Noël et va descendre, en fait, sur une trajectoire de collision vers Saturne, va rencontrer l'atmosphère de Titan le 14 janvier 2005 et va ensuite, avec un bouclier thermique, protéger des frottements pour ne pas brûler dans l'atmosphère comme une météorite, et va ensuite descendre pendant plus de 2h30 sous son parachute. Et voilà, reconstitué avec les images après en laboratoire, voilà à quoi ressemblait la descente de Huygens dans l'atmosphère de Titan. Regardez l'altitude, 120 km, la vitesse. Il y a du brouillard, et tant qu'on n'a pas percé la couche de brouillard, on ne voit rien, pratiquement. Puis vers entre 30 et 50 km, on perce la couche de brouillard, et petit à petit, on voit apparaître la surface de Titan. Chose vraiment incroyable, dans les premières images que nous renvoie Huygens, donc ce module européen, on va voir des réseaux de rivières. Regardez, on les voit ici. On en voit ici avec des branches, et on va en voir un autre ici. Et ces rivières, elles sont entaillées dans les régions claires ici, et on va voir que les embranchements débouchent dans la partie sombre. Alors sur Terre, quand on a des rivières qui coulent, ben, en général, ça coule dans un endroit qui est liquide. Donc, on pourrait se dire qu'ici, ça serait l'équivalent d'une mer ou d'un fleuve. Et ça, c'est les rivières qui alimentent la mer et le fleuve. Alors, Huygens était fabriqué pour tenir à la fois sur du liquide ou du solide, parce qu'on ne savait pas de quoi était fait de la surface. Et quand le module va se poser, après plus de 2 heures de descente sous son parachute, le module va se poser sur un sol solide. Alors, j'ai dit plus de 2 heures en parachute. Imaginez, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, allez, dans 50 ans, 100 ans, si vous allez faire du tourisme sur Titan, je ne sais pas si vous avez déjà fait un saut en parachute, mais un saut en parachute sur Terre, ça vous coûte très cher, et puis ça dure à peine quelques minutes, parce que ça descend très vite. Sur Titan, comme la gravité est plus faible, je vous ai dit, c'est 1/6 de la gravité de la Terre, bah vous tombez plus lentement. Comme l'atmosphère est plus épaisse que sur Terre, avec le même parachute, vous êtes mieux retenu, donc vous tombez encore plus lentement. Donc faire un saut en parachute sur Titan, ça vous coûtera peut-être aussi cher ou plus cher, je ne sais pas, mais ça durera beaucoup plus longtemps, le plaisir sera beaucoup plus long que sur Terre. Donc voilà ce qu'a vu Huygens, et si je reprends les images un peu d'en haut, voilà un peu l'ambiance lumineuse sur Titan. Il fait très très sombre, chose extraordinaire. Huygens a fonctionné au sol et elle a pu prendre ce cliché. C'est le plus lointain cliché qu'on a pris sur une autre planète. Je vous rappelle, on est à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre et c'est l'Agence spatiale européenne, en collaboration avec les Américains, qui a réussi cet exploit. Voilà à quoi ressemble la surface de Titan. Vous voyez qu'il y a des galets. Enfin, on pourrait parler de cailloux. Ce n'est pas des roches. On pense que c'est peut-être de la glace d'eau recouverte d'hydrocarbures ou de molécules organiques. Et on voit que c'est arrondi.
Donc ça, on connaît sur Terre. Souvent, quand on a des cailloux arrondis, c'est ce qu'on a au fond des rivières. Donc ça, ça peut correspondre assez bien avec ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on a des réseaux de rivières qui se jettent des terrains clairs vers les terrains sombres. Huygens s'est emposé dans la partie sombre. Une partie qui, au moment où on s'est posé, est sèche, mais qui, à d'autres moments dans l'histoire, peut-être l'histoire récente, doit être remplie de liquide. Donc l'ambiance lumineuse, elle est très spéciale, et on a eu la chance de vivre, de toucher du doigt ce que doit être l'ambiance lumineuse sur Titan. Je ne sais pas si vous étiez de sortie le 16 octobre 2017. Moi, j'étais en cours, j'ai passé 2 heures à faire des cours dans un amphi, et en sortant de cours, j'avais l'impression de... Vous savez, quand on a un peu trop bu, mais je sortais d'un cours, c'était pas un cours sur Titan, ça serait une plus belle histoire encore, mais je sors, j'ouvre la porte, et c'était tout orange, jaune. J'ai pas compris au début, puis en regardant sur Internet, j'ai compris. C'était effectivement des incendies immenses au Portugal, couplés au fait qu'une tempête nous ramenait énormément de cette fumée, et donc on avait beaucoup de particules, comme de la suie, en fait, en suspension dans l'atmosphère, qui nous donnait, en fait, cette couleur orangée au ciel et à tout l'éclairage. Sur Titan, c'est à peu près l'ambiance lumineuse que vous avez. La différence, c'est que, je vous ai dit, on est beaucoup plus loin du Soleil, donc la couleur est à peu près la même. Par contre, c'est plus sombre. En fait, si vous essayez d'imaginer la vue que vous auriez sur Titan, c'est à peu près ce que vous auriez 10 minutes après le coucher du Soleil sur Terre. Donc, c'est très sombre. Imaginez, si un jour on va sur Titan, ça veut dire qu'il faudra, si on veut éviter la dépression saisonnière qu'on peut avoir en hiver quand on manque de soleil, il faudra trouver des parades. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais peut-être que de la réalité virtuelle pourrait vous aider à avoir des plages ensoleillées 2 heures par jour pour vous permettre de supporter l'ambiance lumineuse de Titan. Alors, ça c'était l'atterrissage de Huygens. Donc, moment extraordinaire. Mais après, pendant ce temps, et surtout pendant les 13 années qui vont suivre, Cassini, la partie orbiteur, va continuer à tourner pendant 13 ans autour de Saturne. Voilà une carte globale de Titan encore. Et voilà comment on a construit petit à petit, mois après mois, la carte globale de Titan. Ça s'est fait avec le radar. Et vous voyez, chaque trace ici, c'est ce que l'on peut faire en une fois, lors d'un passage, proche de Titan. Donc les passages se faisaient en moyenne une fois par mois, mais c'est compliqué parce que le radar est d'un côté, les caméras sont de l'autre côté de Cassini. Donc soit à un passage donné, soit vous observez avec le radar, soit vous observez avec les caméras, mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Donc il a fallu faire un compromis. Certains passages, c'était le radar qu'observait, puis le mois d'après, c'était les caméras qu'observaient, puis le mois encore après, c'était plutôt le radar. Donc ça veut dire que ça a pris beaucoup de temps pour construire ces cartes. Et donc on a découvert petit à petit la diversité des paysages, mais seulement au fil des mois, voire des années. Alors à quoi ressemblent ces images radar? Vous avez ici l'endroit où s'est posé Huygens. Voilà, Huygens s'est posé là. Sur les images radar, on ne voit pas grand-chose, vous allez me dire. Ce qui nous intrigue le plus, c'est ça. Regardez les traits noirs et les traits blancs ici. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien sur Terre. Là, on est sur Titan, et sur l'image d'en dessous, là, on est sur Terre. C'est des déserts, c'est du sable. Alors du sable, pas du sable grain de quartz, comme ce qu'on a sur Terre. C'est des particules très fines, probablement des grains de molécules organiques qui forment ce sable sur Titan. C'est pas de la silice. Mais en tout cas, c'est des matériaux à grains fins qui sont transportés par le vent, et qui finissent par former ces champs de dunes immenses. Et en pratique, on va en trouver partout à l'équateur de Titan. Toutes les régions marron que vous voyez là, ce sont d'immenses champs de dunes. Ensuite, vous avez encore une autre carte globale de Titan ici, avec quelques traces. Dans toutes ces traces radar, on va commencer à voir des structures très intéressantes, des dunes ici. On va voir quelques cratères d'impact, mais très peu. On peut presque les compter sur les doigts de deux mains, on va dire. Très peu de cratères d'impact. Pour nous, en planétologie, ça veut dire que la surface est très jeune. Ça veut dire qu'un processus la remodèle en permanence. Sur Terre, c'est beaucoup l'érosion avec les pluies, le vent. Sur Titan, c'est probablement aussi le vent, la pluie qui remodèle la surface, plus peut-être des processus qui remettent
de la matière en surface, comme peut-être des volcans de glace ou des choses comme ça. Donc une surface très jeune. Et d'autres images vont être assez extraordinaires. Si je devais en retenir qu'une, j'aurais bien du mal, vous imaginez, sur 13 ans de mission, mais je garderais bien celle-là. C'est en 2006, donc 2 ans après l'arrivée de la sonde, pour la première fois, on passe au-dessus des pôles de Titan et on voit ces structures-là. Des zones très, très sombres avec des réseaux ramifiés qui viennent se jeter dedans. Et puis, vu 3D, voilà à quoi ça ressemble. On peut mesurer la composition. On se rend compte que ce sont des lacs et des mers de méthane liquide. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les hydrocarbures, le méthane, c'est un gaz qui est de la même famille que le propane ou le butane. Et ça, c'est ce qu'on a dans le gaz de ville quand vous alimentez votre gazinière ou quand vous partez en camping. Donc, c'est du gaz à l'état naturel, mais qui est liquide parce qu'il fait moins 180 degrés. Donc, on a ici, quand on fait le bilan de toutes ces réserves de méthane et d'éthane, on se rend compte qu'en fait, sur Titan, il y a plus d'hydrocarbures qu'il y en a sur Terre. Alors, ne le dites pas trop fort, sinon ça va intéresser certains. Si on se place dans le futur, peut-être qu'effectivement, ce sera là qu'on ira chercher nos réserves. Le problème, c'est la taille du pipeline. Évidemment, il faut mettre un pipeline de 1,5 milliard de kilomètres. Donc, même si on n'a pas peur de rien, on ne sait pas encore faire. Donc ça, ce sera pour le futur et pour la prospection des générations qui viennent. Autre observation intéressante, là, vous avez les lacs de Titan et leur morphologie est très particulière, nous rappelle la morphologie de zones que l'on connaît sur Terre. Regardez, ça, c'est des lacs en Namibie. J'ai un collègue, Olivier Bourgeois, qui est géomorphologue terrestre, qui, lui, a beaucoup travaillé aussi sur les images de Titan. On partage le même bureau, donc ça facilite les échanges. Et souvent, je lui ai montré les images. Il me disait, oh, tiens, ça te fait penser à quelque chose. Il a toujours un livre dans sa bibliothèque pour dire, bah ouais, ça, je connais. Tiens, en Namibie, regarde, tuc, 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 regarde, il y a la même chose. On regarde, et effectivement, ce sont les mêmes morphologies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les mêmes processus physiques qui sont à l'œuvre. En Namibie, ici, c'est l'eau, les nappes phréatiques, qui vont dissoudre une nappe de calcaire. Donc ça crée des dépressions comme ça, qui éventuellement fusionnent entre elles pour créer des lacs de plus en plus gros. Sur Titan, c'est probablement le même processus, mais cette fois avec du méthane liquide qui dissout la croûte, une croûte formée probablement de glace d'eau avec des hydrocarbures. Donc les mêmes processus, mais avec des matériaux différents, puisqu'on est à des températures différentes. Alors, une des questions, c'était, est-ce que ces lacs que l'on voit, est-ce qu'ils se remplissent? Est-ce qu'ils se vident? Donc, pendant les 13 ans de la mission Cassini, on a regardé avec le peu d'images qu'on avait. Là, on a un lac au pôle sud, qui s'appelait le lac Ontario. On l'a vu en 2005 avec un instrument, 2007 avec un autre, 2009 avec le même, 2009 encore avec le radar. On n'a pas eu d'évidence comme quoi le contour du lac avait changé. Autre question, est-ce que les lacs sont remplis vraiment ou est-ce qu'ils sont vides? Si vous allez en Namibie, dans la région que je vous ai montrée tout à l'heure, que vous allez au bord du plus grand lac, le lac d'Etosha, à certains moments de la saison, vous voyez ça. En fait, on est presque incapable de dire si c'est rempli ou vide, même en étant sur place. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le fond du lac est parfaitement lisse. Parfaitement lisse, ça veut dire qu'en radar, ça pourrait très bien ressembler à ça. Donc ces images des lacs sur Titan, c'est peut-être tout simplement un fond lisse. Donc on a eu beaucoup de débats, est-ce que les lacs sur Titan sont remplis? Est-ce que les mers sont remplies? Est-ce qu'elles sont vides? La réponse, elle est venue, une réponse vraiment non ambiguë, elle est venue d'une étude qui a été publiée pratiquement 10 ans après l'arrivée de la sonde. Donc en creusant de manière très détaillée dans le signal radar, c'est assez compliqué en termes de calcul, un chercheur italien a montré qu'en fait on arrivait à voir l'écho du sol au fond du lac. Donc là, en traversant c'est même plus un lac, c'est une mer, en traversant cette mer, le radar de Cassini a pu voir l'écho du sommet du lac, enfin du niveau du liquide, et l'écho aussi, radar, du fond du lac. On voit qu'on a 150 mètres d'un mélange principalement dominé par du méthane liquide. Donc les lacs de Titan sont bien remplis d'hydrocarbures. Alors, le seul changement qu'on a réussi à voir, c'est celui que vous voyez ici. Là, on est toujours au pôle Nord,
dans ces fameux lacs. Une zone ici, vue en 2007, ressemblait à ça. En 2013, il y a quelque chose qui est apparu. Vous voyez ça ? Donc on s'est dit, ok, on comprend, le niveau du liquide a changé, donc on voit des variations. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il est apparu en 2013, mais en 2015, on ne le voyait plus. Alors, ça commence à être compliqué d'avoir un truc qui apparaît, qui disparaît. Donc il y a pas mal de gens qui ont travaillé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut former ces observations temporaires. C'est peut-être des bulles qui se sont formées à un moment donné, au moment de l'observation. Donc, dans le cours de la mission Cassini, on a vu peu de changements du niveau des lacs, voire pas de changement. Autre image que j'aime bien, qui elle aussi militait en faveur de la présence de lacs et de mers au pôle Nord, là c'est le pôle Nord de Titan, avec le soleil qui se reflète dans les lacs et les mers du pôle Nord de Titan. J'aime beaucoup cette image parce que Rosetta a pris la sonde Rosetta qui allait voir la comète Churyumov, avant d'aller voir la comète, avait survolé la Terre. Et là, vous avez la Terre avec aussi le Soleil qui se reflète dans les océans sur Terre. Donc, on a certaines analogies entre la Terre et Titan. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais la Terre est deux fois plus grosse que Titan. Donc là, on est presque à l'échelle. Encore une fois, on est sur Titan. Regardez l'atmosphère de Titan vue par la tranche avec la sonde Cassini. Ça ressemble à ça. Et pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans l'espace, si vous avez pris des photos de vacances dans l'espace, voilà ce que vous voyez lorsque vous regardez l'atmosphère de la Terre par la tranche. Encore une fois, on a des similitudes assez intéressantes, c'est vraiment joli. Grosse différence, les couches atmosphériques de Titan sont beaucoup plus étendues, je vous l'ai dit, parce que la gravité est plus faible. Donc là, on a encore des similitudes assez fortes. Alors on a pu observer, je vous ai dit, Cassini a duré 13 ans, donc on a observé deux saisons sur Titan. Et ça, scientifiquement, c'était très intéressant, parce que la météo change beaucoup sur Titan. Et on avait des modèles, alors c'est des gens qui travaillent au laboratoire de météorologie dynamique, notamment à Paris, qui ont fait des modèles climatiques, d'évolution climatique de la Terre, pour prédire le climat de la Terre, mais aussi pour prédire le climat et des planètes. Vénus, Mars, Titan, Pluton. Donc tous les corps du système solaire qui ont des atmosphères. C'est intéressant parce que ça permet, en étudiant les planètes, ça permet de mettre vos modèles un peu à l'épreuve dans des conditions extrêmes. Si vous êtes capable de modéliser, de prédire ce qu'on voit dans des cas extrêmes, ça veut dire que vous pouvez avoir vraiment confiance dans ce que vous faites pour la Terre. Et ces modèles avaient prédit qu'on devrait voir un gros nuage au pôle Nord de Titan jusqu'à pratiquement 60 degrés de latitude Nord. Des modèles qui ont été faits avant que Cassini n'arrive. Cassini arrive et au bout de 2 ans, on a l'opportunité pour la première fois d'observer le pôle Nord. Qu'est-ce qu'on voit ? Un immense complexe de nuages qui couvre tout le pôle jusqu'à 60 degrés Nord. Exactement comme ce que nos climatologues atmosphéristes avaient prédit. Donc là, on était assez contents. Les modèles prédisaient que après la fin de l'hiver, donc au changement de saison, ces gros nuages devraient disparaître et on devrait voir le pôle Nord de manière beaucoup plus claire. C'est ce que l'on a vu dans la deuxième partie de la mission. Là, on est en 2015, et vous voyez qu'il n'y a plus du tout de nuages au niveau du pôle Nord de Titan. On voit très bien les lacs et les mers qui sont ici. Il reste quelques petits nuages. Vous voyez les trucs blancs, là ? Ça, c'est des tout petits nuages de méthane. Il y en a un qui se balade ici. Ce n'est pas un vaisseau spatial, tout petit. Et puis, on voit une zone un peu blanchâtre ici, qui doit probablement venir peut-être de la matière qui tombe de ces nuages. Donc on est assez content du lien entre les modèles climatiques et les observations. Cassini nous fournit des contraintes intéressantes. Les modèles prédisaient aussi qu'il y aurait des nuages au pôle sud en arrivant, on les a vus, et qu'au bout d'un moment, on verrait aussi un énorme complexe de nuages peut-être se former au pôle sud. Ça, je me rappelle très bien quand cette image est arrivée, en 2012, en traitant des images de manière routinière. Au bout de 8 ans, on a l'habitude de voir des images, donc on se dit, je sais à peu près ce que je vais voir, mais avec Titan, ça a toujours été des surprises. Ce jour-là, en traitant les images, il y avait quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, sur les 8 ans de mission précédente, il y avait quelque chose qui flottait au-dessus du pôle sud. Et c'était cette immense structure, un immense vortex, qui a grossi, année après année. Voilà une des toutes dernières images de Cassini avec ce vortex ici.
Et c'est un vortex qui contient du HCN, l'acide cyanhydrique. Pas très bon à respirer, c'est pas très bon pour la santé. Et ce nuage grossit, et c'est à peu près l'équivalent du nuage qu'on avait au pôle Nord. Là, c'est intéressant, c'est à peu près cohérent avec les modèles. Les modèles climatiques prédisaient aussi qu'il y aurait des nuages à 40 degrés sud. Ces nuages, on les a vus pratiquement toute la mission. Autre souci, par contre, c'est que certains modèles prédisaient qu'on devrait voir des nuages à 40 degrés nord. Or, on a regardé dans toutes les images, année après année, on n'a pas vu ces nuages à 40 degrés nord. Sauf dans les deux derniers survols. Vous avez dit que Cassini, ça a été beaucoup de surprises. Et dans les tout derniers survols, on a commencé à avoir des nuages à 40 degrés nord. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est à nos collègues météorologues d'ajuster leur modèle pour expliquer ce timing. Donc là, on était aussi intéressés. Et on a vu, notamment au moment de l'équinoxe, des grandes tempêtes. Vous voyez ces nuages-là, à l'équateur. Des tempêtes qui ont généré des changements en surface. Ça, c'est avant la tempête. Il y a des régions brillantes, des régions sombres. Là, c'est pendant la tempête. Ça, c'est après la tempête. Les régions qui étaient brillantes ici sont devenues sombres. Et si on attend plusieurs mois, elles redeviennent claires. L'idée, c'est qu'en fait, il a dû pleuvoir de grandes quantités de méthane liquide à cet endroit-là. Et au bout d'un moment, tout ça s'est évaporé. On est revenu à la situation normale. Ça peut peut-être expliquer les réseaux de rivières que Huygens a vus à l'équateur. Donc, mois après mois, année après année, on a construit des cartes. Là, vous avez une carte globale de Titan dans différentes longueurs d'onde, en infrarouge, pour essayer de savoir quelles sont les différentes structures géologiques à la surface. Ça a été un travail assez titanesque. Je ne l'avais pas préparé, celle-là, c'est venu tout seul. Donc, un travail de longue haleine. Je vous montre une carte ici, en 2007. Là, on a tout Titan. Encore une fois, si on fait l'analogie avec la Terre, vous mettez les États-Unis, l'Afrique et l'Australie. Hop. 2007, puis 2 ans plus tard, on a réussi à combler des trous par ici. Puis, si on attend encore quelques années plus tard, on a réussi à voir les pôles. Donc, c'est petit à petit, comme ça, qu'on a créé les cartes de Titan. Au final, ça, c'est la couverture des images radar. On a couvert avec le radar à peu près 60% de la surface. Donc, on n'a pas tout vu. On est resté 13 ans, mais comme on ne tourne pas autour de Titan, Cassini tourne autour de Saturne et non de Titan, on n'a pas eu le temps de tout voir. Donc, si on fait le bilan au niveau cartographie, au mieux, on voit des détails de 300 mètres par pixel, ce qui n'est pas énorme. Donc, on en est à peu près au point où on en était dans l'exploration de Mars dans les années 1970, dans cette phase exploratoire. Alors, 300 mètres par pixel, je me suis prêté un petit jeu. J'ai pris des images radar de la Terre et des images de Paris. Vous avez ici la Seine, le périphérique ici. Si je zoome sur cette image, c'est assez intéressant parce que à 300 mètres, là je suis à 20 mètres par pixel, c'est ce qu'on fait avec nos satellites très facilement, avec nos satellites terrestres. Donc je vois des détails de 20 mètres sur mes images. Et j'arrive à reconnaître des structures ici, des structures linéaires qui s'embranchent. Bref, de ce genre d'image, je pourrais assez facilement conclure qu'il y a de la vie intelligente sur Terre. Alors, vie intelligente, c'est intéressant, mais maintenant, si je dégrade mon image, je la mets à 300 mètres par pixel, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on a au mieux pour Titan, voilà ce qui me reste. Quelle conclusion je vais tirer de cette image? J'aurais presque du mal à dire que là, il y a la vie technologique qui est présente. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la vie sur Titan et qu'on ne l'a pas vue, ou peut-être, mais là, on rêverait, mais je veux juste vous dire que les images que l'on a, malgré cette extraordinaire mission, elles restent très limitées encore en termes de détails. Donc, nos conclusions elles-mêmes sont aussi limitées au niveau de détails que l'on a vu. Donc, pour Titan, si vous avez une chose à retenir de ce que vous avez vu ce soir, ce qui caractérise Titan, c'est vraiment ce cycle du méthane. Donc, l'équivalent du cycle de l'eau sur Terre. Des nuages, des pluies, des rivières, des lacs, des mers qui s'évaporent et qui retournent dans les nuages. Sauf qu'il fait moins 180 degrés, c'est pas de l'eau, mais c'est du méthane liquide, un hydrocarbure qui joue le rôle de l'eau sur Terre. Et on a une chimie organique extrêmement complexe qui est à l'œuvre. C'est une vraie usine photochimique. Mais comme il fait très froid, en même temps, ça bloque un peu les réactions. Donc on imagine un peu Titan comme une Terre primitive qu'on aurait mis au congélateur. C'est ça qui fait vraiment l'intérêt de Titan. Alors, comme je parle de la mission Cassini,
je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas faire un petit tour très rapide des autres satellites de Saturne et de Saturne elle-même. Donc je vais vous montrer très très rapidement quelques images phares de la mission Cassini avec Encelade. Encelade, c'est un autre satellite de Saturne, beaucoup plus petit, qui est constitué principalement de glace d'eau. C'est un gros glaçon, mais qui a la particularité d'avoir au pôle sud, sous une croûte de glace, très probablement un océan salé, donc de l'eau liquide salée, sous cette croûte de glace. Et Cassini a découvert des geysers, donc des jets ici de vapeur d'eau qui sortent des fractures. Regardez, image prise en Rasmot, qui sortent de ces fractures. Donc on peut presque échantillonner cet océan en allant ramasser des particules dans les geysers de glace. Sur Terre, on sait que les océans, on sait que la vie foisonne au fond des océans, là où l'eau est en contact avec les silicates. Et on se demande si sur Encelade, il n'y a pas le même genre d'écosystème. Ça, ça pose des questions, parce que si on va voir les formes de vie sur Terre à cet endroit-là, on trouve ça. Si on arrive à aller voir sur Encelade, au fond des océans, qu'est-ce qu'on va trouver? La question est posée. Donc, sur Saturne, Cassini a observé des phénomènes incroyables. Une énorme tempête, ici, qui s'est déclenchée en 2011, et puis qui, au bout de quelques mois, finalement, a disparu. Ça, c'est intéressant pour les météorologues, encore. Pourquoi? Parce que cette tempête, elle est cyclique. Elle a été observée pratiquement tous les 30 ans au cours du XXe siècle. Donc, phénomène météo majeur sur Saturne. Si on va voir le pôle de Saturne, voilà à quoi ressemble le pôle de Saturne. On a un hexagone magnifique avec un vortex ici, au centre, qui fait assez peur. Moi, en voyant ça, ça me faisait penser à une peinture de Botticelli qui décrit l'enfer de Dante. Avec ce que vous faites, des lâches, des traîtres, enfin, en gros, en fonction du degré de méchanceté. Donc, si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un à jamais, vous le plongez dans le pôle nord de Saturne, vous êtes tranquille. Regardez ces vortex polaires, donc vus cette fois de manière dynamique. Ce sont des images qui sont assez fabuleuses. Cassini nous a observé aussi. Elle a observé Saturne à contre-jour. Donc là, le Soleil est juste derrière. On voit Saturne à contre-jour. Et tous les petits points que vous voyez ici, ça c'est Encelade, là c'est Épiméthée, c'est des satellites de Saturne, sauf un point, celui-là. Si je zoome, c'est ça, c'est la Terre et la Lune. Donc on est tous ici, sur ce petit point. Alors ceux qui aiment bien l'histoire des sciences, il y a un livre de Camille Flammarion, qui a été écrit en 1884, l'astronome Camille Flammarion, qui disait, il essayait d'imaginer la Terre vue de Saturne. Il disait ça doit être un point presque invisible, un point télescopique. Eh bien, Cassini a pris cette photo. Effectivement, la Terre vue de Saturne, c'est un point presque invisible. Encore la Terre, on est encore tous là, avec toutes nos misères et tout ça. Eh bien, on est là. Tous les pays, tous les continents, tout se résume à ce point ici, vu à travers les anneaux, le 12 avril 2017. Alors, les anneaux, c'était le festival d'images. C'est, d'un point de vue dynamique, quelque chose de très complexe. Il y a des gens qui passent leur carrière entière à essayer de modéliser comment les particules se répartissent au niveau des anneaux de Saturne. On voit un petit satellite ici qui fait des vagues. Un autre satellite qui s'appelle Pan, qui se forme entre les anneaux, et il est en train de se créer en ce moment. Regardez la forme. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, certains parlent du ravioli du système solaire. C'est peut-être les Italiens de l'équipe. Regardez la forme. Ce satellite est en train de se former à partir de la matière des anneaux. Autre satellite incroyable, Mimas. Regardez cet immense cratère d'impact. Et là, tous les fans de science-fiction y ont pensé, évidemment. Autre satellite incroyable, Hélène. Regardez les structures ici. C'est complètement différent de ce qu'on voit sur les autres satellites. Ça veut dire que son histoire, sa formation, implique des processus très différent de ceux qu'on a eus sur les autres. En tout cas, il s'est passé quelque chose pour faire ces espèces de grandes plaines et de grandes traînées sombres. Autre satellite incroyable, Hyperion, encore complètement différent des autres. Regardez, on dirait une espèce d'éponge. Donc, encore une fois, on a des processus de formation différents. Japet, à lui, on dirait une coquille de noix. Vous avez une montagne ici qui fait tout le tour, qui fait pratiquement 11 km d'altitude. Comment vous formez ça? Ça, c'est des défis intéressants pour les modélisateurs. Et la mission Cassini, malgré l'enthousiasme des foules, a dû arriver à sa fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait plus de carburant dans la sonde et on ne voulait pas que Cassini
tombe un jour sur Titan ou sur Encelade. C'est-à-dire, on voulait pas prendre le risque que cette sonde vienne potentiellement polluer des satellites qui, pour nous, sont intéressants pour essayer d'aller trouver peut-être des infos sur l'origine de la vie. Donc, il a été décidé de faire une mission kamikaze, c'est-à-dire on prend plus de risques et soyons fous, on va passer entre Saturne et les anneaux. Vous imaginez le risque ? On n'aurait jamais fait ça en début de mission. Au pire, elle explose. Et au mieux, on va avoir des infos incroyables sur ces derniers survols. Donc, on va avoir 22 orbites comme ça à partir d'avril 2017. Et même Google avait changé son logo. À chaque fois, je crois qu'à chaque fois que je suis venu faire une conférence ici, j'ai réussi à trouver un logo de Google qui avait changé pour l'événement. C'était pour Curiosity, pour Rosetta. Ça, quand Google change son logo, ça veut dire que c'est un événement planétaire. Et effectivement, la fin de Cassini, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, on programme cette mission kamikaze, et puis on va pouvoir obtenir des infos encore intéressantes comme on n'en avait jamais eu auparavant. Là, j'ai juste mis une image, ça c'est parmi les dernières observations de la caméra infrarouge, où on a pu scanner les anneaux et avoir un luxe de détails sur la composition des anneaux qu'on n'avait jamais eu avant. Voilà comment la mission a dû se terminer, ça c'est en image de synthèse. Voilà, reconstituer en image la fin de Cassini. Donc l'étuillère ici essayait de maintenir l'attitude pour que Cassini puisse communiquer avec la Terre le plus longtemps possible, donc en orientant ses antennes de communication vers la Terre. Donc il a fallu utiliser pratiquement tout le carburant qui restait pour maintenir le plus longtemps possible l'attitude de la sonde, sachant que, arrivé au contact de l'atmosphère, les frottements deviennent énormes. Donc la sonde va petit à petit bouger et va finir, avec le frottement, va finir par se désagréger, par brûler complètement dans l'atmosphère. Donc c'était un moment, on va dire, assez crucial. Et donc la NASA avait prévu de faire un événement festif, on va dire. C'était à Caltech, c'est l'université qui est adossée au JPL, le labo de la NASA qui est à Los Angeles, où ils avaient installé des écrans géants, trois écrans géants et à peu près l'équivalent de 1500 sièges pour que tous les scientifiques, tous les ingénieurs et les familles qui avaient participé à la mission puissent venir communier et assister en direct à la fin programmée de Cassini. Donc on y est allé à 3 heures du matin. Alors la mission, moi j'avais commencé à 4 heures du matin pour les premières images de Cassini. Ben on l'aura terminé à 3 heures du matin là, pour ce rendez-vous. Voilà comment ça s'est passé. Regardez, là on est filmé avec mon petit téléphone. On est dans la dernière phase. Et donc on voyait le centre de contrôle sur les écrans qui nous égrenait les minutes et les secondes restantes. Ce que je viens de vous montrer, regardez, on était à 2 minutes 30 de la fin de la mission. La fin de la mission étant à peu près quand on estimait que Cassini allait toucher le haut des nuages de Saturne, de l'atmosphère de Saturne. On est à 2 minutes 30 de la fin de la mission, mais il reste quand même 5100 km à parcourir. Donc en 2 minutes 30, Cassini nous fait l'équivalent de Paris-New York. Donc dans 2 minutes, donc dans 2 transparents, c'est comme si Cassini partant d'ici était arrivé à New York. Pourquoi ? Parce qu'elle va à plus de 100 000 km/h à la fin de sa mission. Ce qui explique que dès qu'elle va frotter dans l'atmosphère, elle va entièrement brûler. Et je vais vous montrer ensuite les 30 dernières secondes, qui était un moment assez émouvant. Voici comment ça s'est passé. 30 secondes. 30 secondes. Systems lead, mission planning. Go ahead, mission planning. Ça, c'est le signal. C'est le pic du signal que nous envoie Cassini avec ses antennes. Tant qu'on reçoit le signal, c'est qu'elle est en ligne. Systems ACS-1. With the additional thrust around time, we're going to also see the dead band start riding. Oh. Voilà. Donc là, on sait qu'à ce stade, il ne reste plus que quelques secondes de vie. Vous imaginez, il y a 1500 personnes derrière. Et voilà. Ça revient. Et ça repart. On a eu un espoir. On a perdu le signal.
Voilà, donc c'était un moment assez émouvant parce que certaines personnes dont vous voyez éventuellement les tonsures dans le film, certaines personnes ont travaillé pendant 30 ans sur cette mission. J'avais à côté de moi l'un des responsables de la caméra infrarouge. Il a fabriqué l'instrument, il a piloté l'instrument pendant toute la mission et il part maintenant à la retraite avec, on peut dire, le sentiment du devoir accompli. J'imagine ce que ces gens qui étaient à l'initiative du projet ont dû vivre. Moi, je n'ai vécu que à peine la moitié du projet. J'imagine ce que ça doit représenter. C'était vraiment un moment émouvant et c'était bizarre parce que les gens étaient à la fois contents de l'extraordinaire exploit qui a été fait et ils étaient en même temps tristes. Donc c'était un peu comme être un mariage et un enterrement en même temps. Donc c'était des sentiments assez mitigés. Et ce que l'on a vécu, c'est en différé de 83 minutes, puisque c'est le signal qui nous a été envoyé par Cassini et qui a mis plus d'une heure 20 pour arriver sur Terre. Donc Cassini est mort, mais on a quand même déjà pensé au futur. Et depuis déjà presque une dizaine d'années, des équipes scientifiques se sont montées pour fabriquer, mettre en place des nouveaux concepts de mission, des missions qui permettraient de retourner vers Titan ou vers Encelade, ou en tout cas dans le monde de Saturne. Alors c'est des missions avec des orbiteurs ou pourquoi pas des montgolfières. On a imaginé des sous-marins ou des espèces de bateaux pour aller sur les mers ou des drones, des choses comme ça. Aucune de ces missions n'a passé la sélection. C'est triste. Mais l'année dernière, nouvel appel d'offres, et là, la donne change. Une mission, qui s'appelle Dragonfly, fait partie des deux finalistes pour le programme New Frontier de la NASA. Donc, elle est sélectionnée, elle est présélectionnée en compétition avec une autre mission qui est censée ramener des échantillons de la comète Churyumov-Gerasimenko, celle que la sonde Rosetta a visitée. Ce sera soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Si la mission Dragonfly est sélectionnée, c'est un lancement aux alentours de 2025 et une arrivée peut-être en 2032 sur Titan, pour voir voler un drone, une espèce de quadricoptère alimenté au plutonium. Ça serait chouette, quand même. Donc, on espère que cette mission passera, la sélection le saura dans un peu plus d'un an, en 2019. Donc, l'étape encore après, ce serait, pourquoi pas, là on peut rêver, et là je vais commencer à aborder plutôt le futur, proche ou lointain. On peut imaginer, pourquoi pas, d'envoyer l'homme sur Titan. Allez, si on est un peu fou, un peu visionnaire. Et dans le livre Beyond Earth, écrit par Amanda Idris, qui fait partie de l'équipe scientifique de Cassini, et l'écrivain Charles Wadsworth, ils imaginent, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer un équipage sur Titan. Par certains aspects, c'est peut-être plus facile que d'aller sur Mars. Je vous ai dit, par exemple, la pression est moins problématique sur Titan qu'elle n'est sur Mars. Si vous arrivez sur Titan, il y a des hydrocarbures partout, donc vous pouvez faire du plastique assez facilement. Bref, ils imaginent ça, mais aussi les difficultés du voyage aussi lointain. Donc c'est un livre extrêmement intéressant sur le futur de l'exploration de Titan. Alors si on se place dans un futur beaucoup plus lointain, dans 5 milliards d'années, il va se passer quelque chose de rigolo. C'est que le Soleil va arriver en fin de vie, donc il va grossir, et il va manger la Terre, donc nous c'est foutu. Mars, ça va se réchauffer, et Titan qui est ici, de moins 180 degrés, la température va se réchauffer, va passer au-dessus de zéro, et donc les glaces de Titan, toute la croûte glacée va se mettre à fondre, ça va être de l'eau liquide, avec plein de molécules organiques, imaginez ce qui peut se passer. Donc il y a un livre de science-fiction qui a été écrit par Stephen Baxter, que je vous recommande, qui s'appelle Titan, qui est un vrai plaisir à lire, et qui imagine ce qu'un équipage humain qui va sur Titan pourrait voir. Alors, est-ce qu'on le fera un jour ou pas? J'en sais rien, c'est dur d'imaginer le futur. Là, je vous ai mis une petite image de quelqu'un que je ne vais pas dire que je vénère, mais qui me fait des frissons dans le dos à chaque fois que je le vois. Quelqu'un qui vient souvent aux conférences de planétologie. Je l'ai vu encore au mois de décembre, à la dernière grande conférence de planétologie. Il vient voir ce qu'on a fait avec les échantillons qu'il a ramassés sur la Lune en 1972, donc lors de la mission Apollo 17. Donc effectivement, moi, mon collègue Nicolas Mangol, on est né en 1972, et à cette époque-là, donc lui marchait sur la Lune, et à cette époque-là, on imaginait que si on est sur la Lune en 1970, c'est qu'on sera allé peut-être autour de la Terre de manière permanente dans les années 80, et on sera sur Mars dans les années 2000, c'est sûr, pas de raison qu'on s'arrête. Et en fait, on voit que ça n'a pas été si simple, parce qu'à l'heure actuelle, on n'est même pas capable, pour l'instant, de ramener ne serait-ce que 100 grammes d'échantillons de poussière martienne.
Donc le défi reste encore immense. Donc la question, c'est ben, où est-ce qu'on sera en 2060? Est-ce qu'on sera encore toujours ben, finalement sur Terre, scotché sur Terre? Est-ce qu'elle même sera encore habitable? C'est un autre débat. Est-ce qu'on aura vraiment pu faire un retour sur la Lune, comme l'émission Apollo? Est-ce qu'on aura mis un pied sur Mars? Ben, en 2060, j'espère bien que oui. Et si on est optimiste, ben, est-ce qu'on aura aussi mis un pied sur Titan? Qui sait? On n'en sait rien. On vient de vivre une révolution incroyable ce mois-ci, pour ceux qui ont suivi l'actualité. Regardez ça. C'est la fusée Falcon Heavy de la société SpaceX, d'Elon Musk, qui a réussi son lancement, et avec un nouveau concept incroyable de fusée réutilisable. Des morceaux de la fusée reviennent se poser tout seuls sur le pas de tir. Prouesse technologique incroyable. L'avantage, c'est que ça réduit les coûts des lancements d'un facteur 3 ou 4. Et cette fusée a pu mettre des charges en orbite presque deux fois plus lourdes que ce qu'on avait avant. Donc avec ce genre de choses, on va pouvoir peut-être recommencer à faire ce qu'on faisait lors des missions Apollo, et pour un coût moindre. Donc là, pour l'instant, elle a servi à mettre une voiture électrique en orbite. Est-ce que c'est utile ou pas? Je pense que c'est un excellent coup de com' de la société SpaceX. Moi, ça m'a beaucoup fait rigoler, j'avoue. Mais en tout cas, c'est pour nous un grand espoir, parce que ça peut éventuellement permettre de mettre Titan à 4 ans de route, enfin de route, de, on va dire de trajectoire, plutôt que 10. Donc il y a de l'espoir. Donc finalement, on ne sait pas ce que nous réserve le futur. Alors pour terminer, je voudrais juste vous, sous forme de clin d'œil, essayer de voir comment nos ancêtres, peut-être que j'ai un peu de respect parce que je vais parler de 1947, mais comment les générations précédentes voyaient le futur. Voilà un petit documentaire donc, réalisé en 1947 sur les archives de l'INA. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. La télé en relief, c'est fait. C'est même presque has-been, c'est passé. Mais ça, ce que vous voyez là, c'est plus le futur. Maintenant, on le fait avec ça. Et nous, dans le cadre du projet Curiosity au labo, on a reçu des casques que nous a envoyés la NASA, casques de réalité augmentée, casques HoloLens. Vous mettez ça sur la tête, c'est de ça dont parlait Maët au tout début. Vous mettez ça sur la tête et vous voyez autour de vous les roches qui sont autour de Curiosity en ce moment. Vous voyez Curiosity aussi. Et vous pouvez marcher sur ces roches. Vous pouvez même discuter, si d'autres collègues sont connectés en même temps, vous pouvez discuter et voir vos collègues sous forme d'avatar. Donc ce qu'on voyait dans le documentaire précédent, c'est tout à fait possible maintenant. Alors vous n'avez pas forcément l'air toujours très intelligent quand vous promenez dans les couloirs du labo avec votre casque sur la tête. Autre exemple. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. C'est un peu notre quotidien. Hein. Donc, voilà. Ça, effectivement, c'était le futur en 1940. Maintenant, c'est notre quotidien. Et moi, je pense qu'une des révolutions qu'on va vivre là et qu'on vit en ce moment... C'est une autre technologie, c'est la réalité virtuelle. Vous pouvez maintenant, alors ça reste physiquement dur d'aller dans l'espace ou sur les planètes, mais virtuellement, vous pouvez faire le voyage. Vous mettez un casque sur la tête, cette fois réalité virtuelle, donc vous êtes coupé de l'environnement. Vous prenez éventuellement des manettes qui vous permettent d'interagir avec votre environnement et vous pouvez visiter la Station Spatiale Internationale. Vous pouvez être dans le module Apollo autour de la Lune, voir par le hublot. Vous avez quelque part l'impression de vivre cette expérience. Vous avez le cas ici, donc sur la Station Internationale. Ici, c'est une autre application qui est développée par une start-up qui s'appelle Vertuplanet, qui est une émanation de notre laboratoire, où là, vous pouvez vous promener sur Mars, sur les terrains martiens, vous pouvez voir vos collègues sous forme d'avatar, discuter, même s'ils sont à 8000 km de distance physiquement, et vous promener sur ces paysages martiens. C'est une vraie révolution, et dans tous les domaines, pas que en planétologie. Donc, dernier exemple, pour essayer de se projeter dans l'avenir, ce sera mon dernier transparent. Voilà comment, donc je viens un peu plus récent, comment les enfants imaginaient
l'an 2000, en 1969. Moi, je pense que chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Il n'y aura plus de petite maison, il n'y aura plus rien, plus de pavillon, ni de campagne. Je crois qu'il se nourrirait beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses naturelles, comme manger du veau, comme manger des fruits. S'ils iraient au travail, puis alors ils mangeraient une pilule en vitesse. Comment seront les métiers à l'an 2000? Il suffira d'appuyer sur un bouton, puis tout se fera mécaniquement. Et ça marche tout électriquement avec des robots, comme tu dis, un peu. Il n'y aurait plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là. Ils seraient obligés de traîner dans les rues. En l'an 2000, les hommes seront beaucoup plus armés et qu'ils penseront que toutes ces armes, ça devrait bien leur servir à quelque chose. Alors, ils feront beaucoup plus de guerres. Peut-être qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de guerre parce que la Terre sera qu'un seul pays. Voilà, c'est beau comme phrase. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Ça résume bien la situation. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Je ne suis pas devin, mais l'avenir peut être extraordinaire. Il peut être compliqué. On verra bien. Et on m'avait octroyé 3/4 d'heure. J'ai largement dépassé. Donc je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on pourrait vous écouter encore plus longtemps parce que c'était vraiment passionnant. Cette conférence est enregistrée grâce à nos équipes présentes ici et vous pourrez la revoir. Elle était tellement bien qu'on a envie de la revoir sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Espace des Sciences. Merci beaucoup Stéphane Lemoelic pour ce travail que vous avez préparé pour nous. C'est avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images, des explications très claires. C'est vraiment un formidable moment. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de réagir ou si vous avez des questions à poser. Ben, c'est le moment. On vous donne le micro. Oui, on vous le donne aussi. Voilà, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci pour la conférence. Moi, j'avais une question. Vous n'avez pas abordé le sujet par rapport à Saturne. Les phénomènes de marée par rapport à Saturne sur Titan ou sur les autres satellites. L'effet de Saturne sur Titan ou... Alors, on a essayé de regarder si ça pouvait jouer justement sur le niveau des mers. Parce que comme sur Terre, on sait que l'influence de la Lune fait varier le niveau des océans. On pourrait imaginer que sur Titan, ça fasse la même chose. Mais on n'a vu aucun changement en fait, dans nos images. Et à ma connaissance, le niveau de détail des images ne nous permet pas de voir des choses. Je vous ai dit, au mieux, c'est 300 mètres par pixel, nos détails. Puis en fait, en pratique, on a plein d'images où c'est moins bon que ça. Donc on n'a pas pu voir d'effet. Il pourrait y en avoir un. Alors là, en plus, on est au pôle, donc c'est un peu extrême. Il pourrait éventuellement y en avoir, mais il faudra aller voir sur place. Monsieur, vous vouliez poser une question ? Oui, merci. Une question générale. Que pensez-vous de ceux qui affirment que l'Europe a pris un grand retard par rapport aux États-Unis et à la Russie, et puis même maintenant la Chine qui se lance tout à fait dans cette recherche spatiale ? Alors, retard, je ne sais pas si on peut parler de retard. C'est une question de moyens. Les États-Unis ont investi beaucoup, donc ils font des choses effectivement assez incroyables, mais ils ont un budget qui est conséquent, qui est vraiment un budget conséquent qui a été investi dedans. L'Europe se débrouille pas si mal à son petit niveau. Si vous regardez dans la dernière décennie, l'Europe a mis une sonde autour de la Lune, Smart One, une sonde autour de Mars, Mars Express, en 2004, une sonde autour de Vénus, la sonde Vénus Express. On a fait la sonde Rosetta, qui est un immense succès, qui a été vraiment, vraiment ambitieux. On a le module Huygens, donc, qui était associé à Cassini. C'est pas mal. On a le module Schiaparelli qui s'est écrasé sur Mars. Bon, on n'a toujours pas démontré qu'on était capable d'atterrir sur Mars, nous, Européens. Mais on y arrivera. Les Américains et les Russes ont essuyé beaucoup d'échecs avant d'y arriver tout seul aussi. Et en même temps que Schiaparelli, il y a un orbiteur qui s'appelle TGO qui s'est mis autour de Mars et dont la phase scientifique n'a pas encore commencé. Là, pour l'instant, on est dans une phase d'approche. Donc les résultats scientifiques de TGO vont commencer à tomber maintenant. Donc ça veut dire qu'en ce moment, les Européens tout seuls ont deux sondes autour de Mars. C'est pas rien.
Et à plus long terme, on a des missions qui sont prévues. Une qui va partir vers Mercure, la mission BepiColombo. Une qui va partir vers Jupiter, la mission JUICE, qui partira en 2022, qui arrivera en 2029 ou 2030. C'est un peu le pendant de la mission Cassini. Moi, j'ai vu au laboratoire Olivier Grasset, qui était notre directeur de labo, qui était l'un des porteurs de la mission JUICE, au moment où la mission a été sélectionnée en 2011. Là, c'est un peu, vous rappelez-vous, on était en 1982 pour les débuts de Cassini. Là, 2011, au labo, on vivait un peu l'équivalent, puisque c'était pour prendre des données qui arriveront en 2030. Donc, finalement, si on fait ce paysage, je trouve que... Rougir. Non, on se débrouille pas mal. Après, c'est une question de moyens. Si on met plus de moyens, on sera plus ambitieux, on fera plus de choses. On peut le dire aussi, hein. Juste, c'est une confidence, mais parmi les deux projets que vous nous avez présentés, qui sont sélectionnés, il y en a un que vous préférez à l'autre, hein, Dragonfly. Alors, mon cœur balance, j'ai un peu travaillé sur Rosetta, j'ai travaillé sur Cassini. On me propose un retour d'échantillon de la comète ou retourner sur Titan. Hein. C'est malin. C'est dur. Hein. Ça veut dire que je serais content dans les deux cas. Ouais. Mais en fait, mon avis personnel, qui n'engage que moi, je trouve que Dragonfly, ça serait quand même, technologiquement parlant, faire voler un drone dans l'atmosphère de Titan, je trouve que si on veut faire rêver les futures générations, il y a du potentiel quand même. Et Titan, si on creuse un peu scientifiquement ce qu'on peut faire avec, ça me semble aussi intéressant que Mars, c'est moins connu, mais regardez ce potentiel avec les molécules organiques que l'on trouve, avec les processus terrestres que l'on retrouve, les champs de dunes, les rivières, les nuages, c'est quand même fascinant. Donc si j'avais un vote à faire, je le mettrais pour Dragonfly. Une autre question ? Oui, on vient vers vous, je vous donne le micro. Merci beaucoup pour le talk, très très bon. Vous avez mentionné que VIMS et le détecteur radar n'étaient pas du même côté de la sonde. Pourquoi ? Alors, au début, donc moi j'étais pas là à maternelle, mais donc j'étais pas là. Au début, dans les premiers concepts de mission, les caméras infrarouges devaient être sur une plateforme avec un système qui permettait de les orienter, ce qui était beaucoup plus souple. Et puis, il y a eu des restrictions budgétaires. À un moment, il a fallu faire des choix. Ils ont enlevé la plateforme orientable. Donc, les caméras ont été fixées à la structure, donc à la structure de la sonde, en se disant, quand on voudra pointer quelque part, au lieu de dépointer que la caméra, on tournera toute la sonde. Donc il y a un système de roues inertielles, deux roues que vous pouvez tourner une comme ça, l'autre comme ça. Quand vous tournez la roue dans un sens, la sonde tourne. Et donc tout a été fait comme ça, tous les pointages sont faits comme ça, avec les roues inertielles, et éventuellement des petits coups de fusée. Mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas en même temps, du coup, pointer le radar et les caméras au même endroit. Donc en pratique, lorsqu'on arrivait sur Titan, pour un survol rapproché, alors les survols, ça se faisait à plus de 20 000 km/h, donc il y a juste on va dire quelques dizaines de minutes où vous êtes très proche et vous avez les meilleures données, un coup, si on arrive du côté nuit, par exemple, on va observer avec le radar, parce que lui n'a pas besoin d'avoir de soleil, et puis éventuellement, on va tourner la sonde pour ensuite observer avec les caméras quand on sera de l'autre côté. Ou sinon, tant pis, on se dit, là, on va faire que du radar, parce qu'on passe au-dessus des pôles, on sait qu'il y a les lacs, au bout d'un moment, donc ça va être intéressant. Tant pis, on fait ça. Et puis, compromis avec l'autre équipe des caméras, on dit, le mois prochain, on vous laisse le survol, c'est vous qui faites vos images. Donc ça a été un espèce de jeu d'optimisation assez compliqué, mais qui s'est remarquablement bien passé entre les équipes. Oui, on vous donne le micro. Simon est au chômage, personne ne lui demande le micro. Il est prêt à vous le donner. Oui, bonsoir. Là, vous aviez fait observer tout à l'heure que le début au lancement, les ordinateurs, les moyens de télécommunication avec le satellite étaient vraiment rudimentaires finalement. Et au fil du temps, le progrès technologique dans les communications, comment le satellite peut recevoir les nouvelles données avec en suivant, disons, le progrès des télécoms et des transmissions beaucoup plus rapides ou beaucoup plus denses, peut-être, avec les progrès, quoi. Alors, on peut améliorer les choses en cours de route.
Vous pouvez, par exemple, charger dans l'ordinateur de bord un autre programme, une mise à jour, l'équivalent d'une mise à jour Windows, quoi. Si vous tenez compte des ressources limitées, vous pouvez éventuellement rajouter une nouvelle fonctionnalité logicielle. Ça s'est fait sur Curiosity, par exemple, où on a pu réparer l'autofocus d'une caméra juste en changeant le logiciel de bord. Par contre, vous ne changerez pas la mémoire de l'ordinateur. Celle-là, elle est fixe, elle est déterminée au lancement. Donc, ses capacités hardware, on va dire, elles ne changeront pas et il faudra faire avec jusqu'à la fin de la mission. Il n'y avait pas de module supplémentaire qui aurait pu être alimenté par les progrès technologiques pour augmenter sa mémoire, quoi. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez gagner en compression des images. Si un nouvel algorithme de compression est mis au point, on imagine le JPEG ou le MP4 ou des choses comme ça, c'est aussi des recherches qui se font en compression d'images, vous pouvez très bien imaginer mettre à jour votre logiciel de compression pour être plus performant au bout d'un moment. Mais ça reste logiciel. Mais on peut quand même effectivement un petit peu améliorer les choses en cours de route. Mais pas tout. Donc effectivement, la caméra, par exemple, la caméra qui prenait les images, la première image globale que j'ai montrée, c'est une caméra qui fait 1 mégapixel. Vous allez dire, par rapport à un téléphone de nos jours, 1 mégapixel, c'est pas grand-chose. À l'époque, c'était bien déjà, dans les années 90, c'était déjà bien. Et puis, en mettant bout à bout plein d'images prises avec 1 mégapixel, vous faites des mosaïques, et puis au final, vous arrivez à récupérer des images qui sont assez fabuleuses quand même. Une autre question ? Oui ? Tiens, Simon, au boulot un peu. Merci. Oui, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous savez le budget déjà de mission Cassini-Huygens, s'il vous plaît ? Oui, alors c'est un gros budget. Et j'ai mis un petit transparent que j'ai passé très vite. Je ne sais pas si je vais donner des chiffres. Je peux juste donner un chiffre ? 0,07% du budget américain annuel d'augmentation, c'est ça ? C'est en fait juste l'augmentation du budget militaire pour 2018. C'est effectivement la mission Cassini, c'est 0,07 fois cette augmentation du budget militaire. Ça a coûté à peu près 50 centimes par américain. C'est une autre façon de voir le budget. Ouais, pendant l'ensemble de la mission. Oui. Vous ferez le calcul ? Oui, selon la perspective. Mais c'est quand même des centaines de millions par mission. Oui. Alors, si on veut convaincre la population, c'est quoi l'intérêt pratique de ces missions-là, sauf satisfaire la curiosité des scientifiques ? Alors, satisfaire la curiosité des scientifiques, c'est essentiel. Satisfaire la curiosité du grand public, pourquoi pas ? Il n'y a pas que les scientifiques qui sont curieux. Là, on est clairement dans la recherche fondamentale. Effectivement, on est plus dans cette philosophie... c'est un exemple que je reprends assez souvent, mais la recherche fondamentale, c'est on repousse les frontières de la connaissance. La recherche appliquée, c'est j'ai un système que je veux améliorer, j'essaie d'améliorer mon système. Mais une des analogies, c'est que ce n'est pas en essayant d'améliorer la bougie qu'on a découvert l'électricité. Et pour autant, l'électricité, c'est quand même très utile. Donc là, on est vraiment dans un domaine où on va repousser les limites de la connaissance. Technologiquement, on se pousse aussi dans des retranchements assez loin. Et j'ai appris avec le responsable de la caméra infrarouge, il m'a dit que c'est la première fois qu'on utilisait la mémoire SSD. En fait, c'était dans la mission Cassini. Et c'est bien pratique, la mémoire SSD. Donc, il y a certains développements technologiques que vous êtes obligé de faire parce que vous êtes dans des conditions extrêmes, sinon ça ne marche pas, et qui peuvent ensuite avoir des retombées qu'on n'a pas imaginées par la suite. J'avais un transparent que je n'ai pas montré, mais avec quelques exemples de retombées technologiques qu'on a eues des missions spatiales. Les machines de dialyse, par exemple, on ne le sait pas, mais ça utilise des systèmes qui étaient pour les sondes vikings sur Mars, au départ. Dans certains pneus, certains types de pneus, on utilise des matériaux qui ont été développés pour des missions Apollo aussi. Les prothèses de hanches, ça utilise des techniques qui ont servi à faire des tuyères de fusées. Donc on a comme ça des passages, il y a énormément d'exemples. Les perceuses sans fil, le velcro, les poils téfales. Sauf qu'effectivement, on n'est pas en train de faire de la recherche de poils téfales. Mais finalement, on a inventé un truc qui peut servir pour les poils téfales. Donc on est un peu dans cette recherche de l'inconnu et de repousser nos frontières. Ça coûte de l'argent, mais en même temps, l'argent, il ne part pas dans la nature. Pour fabriquer ces sondes, il a fallu faire marcher toutes les industries
de différents pays. Et donc, vous faites aussi tourner l'économie avec ça. Alors, en plus, ce soir, je suis très contente parce que face à moi, je vois mes collègues de l'espace des sciences dirigent cette magnifique machine qu'est notre planétarium, Bruno Moguin et Priscilla Abraham. Et je vois que Bruno a une question à poser. Est-ce possible ? C'est pas une question, c'est juste pour compléter. Ah, je le disais aussi. Voilà, effectivement, à quoi ça sert d'aller dans l'espace ? Eh bien, par exemple, pour protéger le LEM qui a atterri à la surface de la Lune, il a fallu mettre au point un matériau très léger qui renvoie parfaitement la lumière solaire et qui protège ce qu'il y avait derrière. Eh bien, c'est ce qui a donné la couverture de survie et qui sauve des milliers de vies chaque année sur Terre. Voilà, donc il y a plein de technologies qui sont mises au point pour l'espace, pour des conditions extrêmes, mais qui ont des retombées sur Terre, comme l'ordinateur portable. Le premier ordinateur portable a été installé dans la capsule Apollo pour pouvoir faire les corrections de trajectoire pour aller vers la Lune. Alors, il est sûr que ça servait à pas grand monde, sauf qu'aujourd'hui, bien des ordinateurs, on en a tous dans les téléphones portables partout, et c'est grâce à la conquête sur la Lune. Merci pour cette précision, Bruno. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, monsieur. On vous donne le micro. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les sources d'énergie utilisées, puisque là, on ne voit pas de panneaux solaires ? Alors, excellente question. On est tellement loin du soleil que utiliser des panneaux solaires, c'est extrêmement compliqué parce que ça ne permet pas d'avoir énormément d'énergie. Il y a certains concepts de missions qui ont été faits avec des panneaux solaires qui peuvent marcher, mais une mission de la dimension de Cassini, ce n'était pas possible. Donc ce qu'on utilise, c'est du plutonium 238, donc c'est des atomes en fait, qui se désagrègent, qui se désintègrent au fil du temps, et qui vont, ils ont une demi-vie de 88 ans, donc ça veut dire qu'au bout de 88 ans, vous avez en gros consommé la moitié de votre carburant. Et donc ces atomes, en se désintégrant, vont produire de la chaleur, que l'on va convertir en énergie. Et c'est ce qui a permis, effectivement, à cette mission de durer sur un temps aussi long pour la source d'énergie, pas pour la source de carburant. C'est-à-dire on a aussi du carburant qu'on utilise pour le moteur qui a servi à freiner, et puis toutes les petites corrections de trajectoire qui ont été nécessaires pendant l'ensemble de la mission. Et sur le drone que l'on a vu, Dragonfly, ce sera aussi probablement la même petite source d'énergie qui permet d'avoir... ça dépend combien vous en mettez, mais qui peuvent permettre d'avoir 100 watts, 200 watts d'énergie en continu, indépendamment du fait que vous êtes éclairé par le soleil. On en reste là ? Ah, pardon, attendez, je ne vous avais pas vu. On va venir. On approche, on arrive. À la vitesse de la lumière, voilà. Merci. En fait, j'avais la question, est-ce que les lacs de méthane, ils sont inflammables ? Parce que supposons que ça va se passer mal pour Dragonfly, il va s'exploser et du coup, toute la planète va être en feu. Alors, excellente question. Est-ce qu'on pourra fumer sur les plages de Titan ? La bonne nouvelle, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène sur Titan. Donc, mauvaise nouvelle, parce que du coup, on ne peut pas respirer. Mais bonne nouvelle, parce que si vous enflammez quelque chose, ça ne va pas démarrer parce qu'il n'y a pas d'oxygène pour nourrir la flamme. Donc, ça ne va pas exploser, a priori. Mais la question est pertinente, parce qu'effectivement, si on arrive dans une atmosphère de méthane, comme ça, si on fait la même chose sur Terre avec en plus de l'oxygène, effectivement, une petite étincelle ne serait pas forcément bienvenue. Donc là, ça ne risque pas d'arriver. Imaginez tout Titan qui explose, ce serait ballot quand même. Ce serait terrible. Monsieur, Charlène est au travail ce soir, hein, très sollicitée. Voilà, si vous voulez bien passer, merci. Merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question. Vous disiez qu'on était, donc, on est relativement éloigné du soleil. Comment expliquer la saisonnalité sur Titan ? Alors, en fait, Titan est incliné. Titan a un axe de rotation qui est incliné, un peu comme la Terre, quoi. Donc, suivant la saison, enfin, suivant l'endroit où le satellite va se trouver sur son orbite, et l'orbite n'est pas complètement circulaire non plus. Donc, ça veut dire que quand vous êtes à un endroit du Soleil ou à un autre, vous recevez un éclairement qui n'est pas constant.
Donc au niveau des pôles, notamment, l'éclairement va basculer. Lorsqu'on est arrivé en 2004, le pôle nord était pratiquement, pas entièrement dans la nuit polaire, mais en partie. Puis en 2008, on est arrivé à 2009, on est arrivé à l'équinoxe. Puis en fin de mission, le jour dépassait une grande partie de l'autre côté du pôle. Donc le pôle était beaucoup plus éclairé. Donc c'est un peu comme sur Terre. On va avoir une nuit polaire qui, sur Terre, peut durer 6 mois à certains endroits. Il me semblait qu'en fait, vu que nous, sur Terre, on est relativement proches, il y avait des différences, des contrastes de température plus importants. Et là, vu qu'on était éloignés, on l'avait vu au début de la conférence, il y avait, je ne sais plus exactement combien, il y avait moins 200 degrés. En moyenne, il fait moins 180 degrés à la surface de Titan. Et les contrastes de température sont très, très, très faibles. C'est-à-dire, on pense qu'il y a quelques degrés de différence entre les zones les plus froides et les zones les plus chaudes, parce que l'atmosphère homogénéise le tout. Et puis, effectivement, les variations de température qu'il peut y avoir et d'ensoleillement aussi sont très faibles, finalement. Donc, on a une température moyenne qui est relativement constante. Merci. Mais ces effets d'ensoleillement sur les pôles, et là, c'est des questions plus à poser à mes collègues météorologues, ces différences d'ensoleillement entre l'hiver et l'été vont modifier la circulation atmosphérique. Donc on a des cellules d'échange de l'atmosphère qui vont se former, et avec donc une espèce de convection qui se fait comme ça au niveau des pôles, et qui va changer en fait avec la saison. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que la mission au départ devait durer 4 ans. Donc si ça avait duré que 4 ans, on aurait vu ce gros nuage au pôle Nord, et puis finalement assez peu de choses d'autres, on l'aurait à peine vu commencer à disparaître. Or là, on l'a vu complètement disparaître, et encore mieux, on a vu le phénomène inverse apparaître au pôle sud. Et on ne l'a pas vu disparaître. Si on avait pu continuer à observer, probablement le pôle sud aurait commencé à redisparaître. Et le pôle nord, on aurait vu réapparaître le phénomène. Et ça, ce sera peut-être Dragonfly qui le verra dans les années 2030. Mais on va essayer aussi avec le futur télescope spatial James Webb, le successeur de Hubble, qui doit être lancé en 2019. Normalement, on devrait pouvoir faire des images de Titan qui devraient être pas aussi bonnes que Cassini, loin de là, mais qui devraient permettre de continuer à surveiller au moins les nuages, voir comment les nuages évoluent avec les saisons. Attendez, monsieur, vous avez déjà posé des questions, donc s'il y a d'autres personnes... Effectivement, je reprends la parole une deuxième fois. Je voudrais savoir si de la mission Cassini, on pourrait tirer des conclusions quant au réchauffement climatique sur Terre. Alors, c'est une bonne question. Encore une fois, il faudrait la poser à mes collègues météorologues. La question du réchauffement climatique sur Terre, je crois qu'il doit y avoir une conférence prévue très bientôt là-dessus avec Jean Jouzel, qui répondra infiniment mieux que moi. Tout ce qu'on essaye de faire, nous, avec les planètes, c'est de se placer, comme je disais, dans des conditions extrêmes pour voir si nos modèles numériques qui permettent de comprendre un cycle climatique, si nos modèles sont bons ou pas. Je sais qu'il y a des chercheurs qui, en étudiant Vénus, et en étudiant notamment les molécules de chlore dans l'atmosphère de Vénus, ces chercheurs ont compris comment le chlore interagissait avec les CFC, vous savez, les particules qu'on avait dans les bombes d'aérosol et qui étaient en train de détruire la couche d'ozone sur Terre. Et c'est suite à ces travaux qu'en fait, on a décidé d'arrêter les CFC dans nos frigos et dans les bombes pour essayer de préserver la couche d'ozone, ce qui, a priori, semble être en bonne voie. Donc, on pourrait presque dire que là, ce n'est pas Titan, mais c'est Vénus, grâce à l'étude très complexe de quelque chose de complètement différent, mais d'un cas extrême, on a peut-être appris quelque chose qui nous a aidé à ne pas détruire la couche d'ozone sur Terre. Pour le réchauffement climatique, c'est autre chose. On est là, on a énormément de CO2 dans l'atmosphère. On en a... Si vous regardez le documentaire Demain, je ne sais pas si certains l'ont vu, le début du documentaire est très intéressant, en disant que le taux de CO2 actuel est bien au-delà de tout ce qu'on a connu depuis 800 000 ans, c'est-à-dire depuis que l'homme existe, ce qui pose beaucoup de questions. Ça veut dire qu'on a appuyé sur un bouton, on a déjà déclenché quelque chose qui est peut-être une bombe à retardement pour les 50, 100 ans, 200 ans qui viennent. Il est grand temps de trouver l'antidote. Mais là, encore une fois, on se place en planétologie dans des cas extrêmes. Et vous voyez que sur Titan, les modèles d'évolution atmosphérique, ils ont fait un bon boulot pour prédire des choses que Cassini a observées. Mais certains trucs ne marchaient pas. Donc
en changeant une petite partie du modèle, vous améliorez la prédiction pour Titan. Et il se trouve que cette amélioration, bah, peut-être qu'elle est aussi utile, finalement, pour être plus précis sur Terre, sur ce qui peut se passer dans, dans le futur. Donc on est clairement dans cette idée de comprendre la physique des mondes qui nous entourent, se placer dans des cas extrêmes pour au final mieux comprendre la Terre. Voilà. Vous aviez une... Non. Ah, monsieur, par contre, pardon. Je ne vous voyais pas. Il faut faire des grands signes. Bonsoir, merci pour la conférence. Lors d'un transparent, vous avez subtilement mentionné une grande multinationale qui travaille dans le pétrole. Est-ce que ce genre d'entreprise vous fait peur quant à des éventuelles missions, probablement sur Titan, à moyen ou long terme ? Vous l'aurez compris, c'était une boutade. On ne sait jamais. C'est juste que quand on mentionne des ressources d'hydrocarbures ou de gaz naturel, forcément, il y a une partie de la population que ça peut intéresser plus que d'autres. Voilà, monsieur disait tout à l'heure à quoi ça sert d'investir dans des sondes pour aller aussi loin. Est-ce que ça sert à quelque chose ? J'ai des collègues qui travaillent sur les astéroïdes et qui vont dire, mais attendez, c'est génial, les astéroïdes, c'est des ressources minérales incroyables. Vous pouvez trouver des métaux et avoir des grandes réserves de métaux dans les astéroïdes. Là encore, on pourrait dire peut-être que certaines compagnies minières pourraient être intéressées pour aller voir les astéroïdes. Là, on se place clairement dans le futur lointain ou moyen. Quand Camille Flammarion écrivait ses livres en 1880, il n'imaginait pas que Harrison Schmitt, que j'ai montré tout à l'heure, marcherait sur la Lune en 1969. Moi, quand je parle là d'aller chercher des ressources sur Titan en 2060, je n'ai aucune idée si ça se fera ou pas. Est-ce que c'est bien de le faire ou pas ? D'ici là, j'espère qu'on sera moins dépendant du gaz naturel et qu'on aura trouvé d'autres sources d'énergie propres qui seront beaucoup plus proches de nous. Donc là, ça ne me fait pas peur. C'était une boutade. Pour poursuivre la question de monsieur, on a vu deux personnages aussi à un moment sur l'un de vos transparents. L'un des deux vous fait peur ou si oui, lequel ? Non, vous n'êtes pas forcé de répondre. C'était aussi une boutade. Oui, j'ai cherché une phrase intéressante d'Einstein, mais j'arrive plus à m'en rappeler. Donc, je retournerai dans mes livres et je reviendrai. Pour la prochaine conférence, je travaillerai cette réponse. En tout cas, je me doute que ce n'était pas lui qui vous faisait peur. Et dernière question, les deux livres que vous nous avez cités tout à l'heure avec des titres anglais, Bayonners et Titan, ne sont pas traduits en français ? À votre Alors, j'ai pas vu de. Si, je crois que Titan de Stephen Baxter, on le trouve en français. Oui, c'est possible alors. Et l'autre, effectivement, doit être que en anglais. Et le Titan de Stephen Baxter a été écrit avant l'arrivée de Huygens sur Titan. Ah, donc, oui. Ça a été écrit avant les premiers résultats de la mission Cassini. Oui. Mais Stephen Baxter est un ingénieur de formation, un écrivain très prolifique de science-fiction et qui est souvent très très précis dans ses récits. Et c'est assez incroyable de relire ce livre à la lumière de ce qu'on connaît maintenant et surtout de l'atterrissage de Huygens. Et en le relisant même maintenant, tout ce qu'il décrit dans le livre paraît tout à fait crédible. Il imagine un équipage qui atterrit, ça y est, je vais raconter la fin. Un équipage qui atterrit sur Titan, voilà, la luminosité est très faible, voilà, on marche dans quelque chose qui ressemble un peu à une mélasse, c'est très intéressant à relire. Et d'ailleurs, dans le livre, ça se passe assez mal sur Terre parce que pendant le voyage, les astronautes partent sur Titan. Et pendant le voyage, il y a deux grandes nations qui, bizarrement, rentrent en conflit. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que l'équipage qui est parti vers Titan qui survit de toute l'humanité. Ouais. Donc quand on crée des armes de guerre, hein, faut bien les utiliser, comme disait le gamin tout à l'heure. Voilà. Lisez le livre, c'est un vrai régal. Voilà, on va en rester là pour ce soir, en vous remerciant vraiment beaucoup, Stéphane, vraiment pour cette belle Merci. Conférence.
et vous revenez quand vous voulez, vous le savez. Merci à toute notre équipe, à l'équipe des Champs Libres. Bonne soirée à vous et merci aussi pour votre attention et vos questions. À la semaine prochaine, peut-être, on parlera des horloges vivants. Voilà, les gens du soir, les gens du matin, le sommeil, les écrans, etc., etc. Bonne semaine à tous et j'espère à très bientôt. Merci, bonsoir.